Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter les deux nouveaux objets que Fortnite a ajouté lors de cette mise à jour d'aujourd'hui. Donc il y a la part de pizza et il y a la soirée pizza. Alors ces deux objets sont déjà en mode créatif, cependant je ne pense qu'ils ne sont pas encore disponibles dans le mode Battle Royale. Mais à mon avis, à partir de la semaine prochaine ou dans deux semaines, nous devrions voir l'apparition de ces deux objets dans la map de Fortnite Battle Royale. Alors là, je vais vous présenter ce que c'est. C'est tout simplement des nouveaux objets qui vont vous permettre de vous soigner. Donc normalement, vous pourrez les trouver dans des coffres posés au sol comme ça. Et peut-être dans les ravitaillements, normalement, quand ils seront disponibles dans la map de Fortnite. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça dit inspecter. Donc une part de pizza aux champignons bleuvage redonne des PV ou du bouclier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ici une pizza aux champignons bleuvage pour vos amis et vous. Donc voilà, là je vais utiliser une part de pizza, je vais la manger. On va voir combien d'XP ça me donne. Ouf, ça me donne quand même 50. 50 de PV, donc ça me donne 25 exactement, 25 de PV et 25 de bouclier. Donc c'est quand même assez cheaté. Alors, pour la part de pizza, donc la partie, comment ça s'appelle? La soirée pizza. C'est un objet que vous allez devoir lancer. Et ensuite, hop, elle s'ouvre. Et il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 8 parts de pizza, donc vous ne pouvez pas en manger. Comment ça, je peux pas en manger? Ah, parce que en fait, ça donne... Ah, je peux pas en manger parce que ça donne maximum 50 de boucliers. Vous pouvez pas vous mettre à 100 de boucliers grâce à ces items. Donc là, je vais m'infliger du dégât pour pouvoir en manger dans la part de pizza. Donc dans la soirée pizza, hop, je mange un morceau. Il disparaît bien, donc ça, c'est assez stylé. On peut prendre directement les parts. Prendre une part. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas la prendre. Mais normalement, on peut prendre la part en appuyant sur triangle. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas. Peut-être qu'en mode créatif, c'est un peu bugué. Je vais quand même m'infliger des dégâts pour voir si je prends... Ou peut-être c'est parce que j'ai déjà des stocks sur moi. On va les déposer, on va voir. Mais normalement, vous pouvez les récupérer directement dans la boîte de pizza. Et là, je ne peux pas. Mais normalement, on peut tous les récupérer. Donc, dès que vous trouvez une boîte, soit vous la lancez et vous récupérez les 8 parts de pizza. Ou soit ben, vous gardez le carton en pizza. Ben, c'est peut-être mieux de garder le carton en pizza parce que les stacks, c'est de par 2. Donc, si vous prenez 8 parts de pizza sur vous... Ben, ça remplit quasi tous vos slots. Donc, vaut mieux prendre directement la pizza complète et la garder au cas où vous en aurez besoin. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ces deux nouveaux objets qui ont été rajoutés sur Fortnite. J'espère que cette vidéo d'information ben, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, 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 bruh. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.